This prayer test is to help us. Hallelujah. Amen. Yeah. Great. All right. We are looking good. Okay, while we are standing, can we welcome Dr. Alon to come and help us? Help us, please. Help us. We need help. We are people that wants to be helped. Nous sommes des gens qui veulent être aidés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. May the Lord Jesus Christ bless you. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You can have your seat. Ok. Et je remercie le Seigneur. On est en train de passer en direct là. Voilà. On est en train de passer en direct. Here. Yes, we are going there. It is going live. Je remercie le Seigneur pour mon prédécesseur. For those who the person who spoke before me, l'apôtre John, Apostle John, avec une intervention nourrie, with a well-nourished, healthy intervention, et confirmée par les Écritures, and confirmed by the Scripture. Vous savez, ce sont ces choses-là qui font la force de la maison. You know, these are the things which make the house strong. Ces choses qui font la force de l'Église. The things which make the church strong. Et par la grâce de Dieu, nous allons ajouter quelque chose aussi. And by the grace of God, we shall add something on top. Comme vous venez de dire l'apôtre Harrison, je ne serai pas long. I will not be long. Alors, là où on ne va pas toucher, je pense que demain nous serons encore ici. Where we shall, we will not be able to touch, I think tomorrow we shall be again here. Que Dieu vous bénisse. And the Lord bless you. Ok. Il y a des questions qui ont été posées. There are questions which were asked. Concernant le baptême. Concerning the baptism. Et aussi au sujet du voile. And also about the veil. Mais avant que je puisse toucher à cela, and before we touch it, comme l'apôtre a frôlé dans son intervention, as touched certain things in his intervention, ce que nous devons savoir que dans les Saintes Écritures, concernant la gloire de la maison, concerning the glory of the house. Et si nous regardons, lorsqu'on construisait la maison, qui est le temple, temple, il y avait d'abord l'œuvre de l'architecte. There was first of all the work of the architect. Et après, il y avait le constructeur. Then there was the builder. Je pense que c'est l'une des portions que nous allons toucher demain soir par la grâce. Topic we shall preach about in this week. L'architecte est celui qui vient avec le plan. The architect is the one who comes with the plan. Mais lorsque le constructeur vient, but when the builder comes, il ne peut pas aller au-delà du plan de l'architecte. Beyond the plan of the architect. Il doit répéter ce que l'architecte a touché sur le papier. Repeat what to do what the architect put in on the paper. Et c'est ce qui s'est fait aussi concernant les temples. And that work was been doing, been done also concerning the temple, about the temple. Lorsque le constructeur répétait exactement le plan de l'architecte, when the builder was repeating exactly the plan of the architect, c'est alors que la gloire descendait. That when the glory was coming. Mais si le constructeur ne répète pas le plan de l'architecte, builder does not repeat the plan of the architect, la gloire ne sera pas là. The glory shall not be there. C'est-à-dire les gens peuvent crier, that the people might cry, danser, dance, prier, pray, mais si le constructeur n'a pas répété le plan de l'architecte, if the builder did
not bring back or repeat the plan of the architect. La gloire n'est pas là. The glory will not come. Les prédicateurs, ce sont les constructeurs. The preachers, they are just builders. Qui doivent répéter les plans donnés par Dieu. We have to repeat the plan which has been given by architect. Et Dieu nous a donné les plans à travers l'enseignement des apôtres. And God gave us the plan through the teaching of the apostles. Parce que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Because we are built upon the teaching of the apostles. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Ephesians chapter 2, verse 20. Et lorsque nous répétons ce plan donné par les apôtres, once we repeat that plan given to us by the apostles, c'est alors que la gloire sera dans la maison. That's when the glory shall be the house. C'est le Seigneur Jésus-Christ. May the Lord bless you. Ok, concernant les baptêmes. Concerning the baptism. La question posée. The question is. C'est dans Matthieu chapitre 28. Matthew chapter 28. Le verset 19 à 20. Verse 19-20. Vraiment, je serai très bref. I'll really be very brief. Il y a beaucoup de gens qui sont édifiés à travers cette conférence ici. There are people who are really edified through this conference. Ce n'est pas seulement vous ici au Kenya. Not only you here in Kenya. Mais il y a des gens qui nous suivent aussi en ligne. There are people who are following us online. Et qui apprécient les services and que vous avez faits ici. And appreciating what is done here. Et ils sont beaucoup édifiés. And they are really edified. Que le Seigneur bénisse Apôtre Harrison. God, may God bless Apostle Harrison. Et qu'il bénisse tous les serviteurs. And bless all the servants of Caesar. Ok, regardons la question. Let us look at the question. Matthieu chapitre 28. Nous prenons le verset 19 au 20e verset. 19 to 20. C'est Jésus qui parlait là. It's Jesus on said. Yes. Allez. Go. Faites de toutes les nations des disciples. Disciples of all the nations. C'est Jésus qui parlait à ses disciples qui sont devenus les apôtres. Speaking to his disciples. Les baptisant au nom du Père. Baptizing them in the name of the Father. Du Fils. And of the Son. Et du Saint-Esprit. And of the Holy Spirit. Seulement quelque chose qui m'intéresse. But the only thing is, one thing is getting my attention. Le nom c'est au singulier. The name is in singular. C'est-à-dire au nom du Père. That means in the name. Le seul nom là, c'est le nom du Père. That name, that only single name is the name of the Father. C'est aussi le nom du Fils. That same name is the name of the Son. Et encore le nom de l'Esprit. And that same name is the name of the Holy Spirit. Là, c'était l'ordre de Jésus. That was the command of Jesus. Maintenant, regardons lorsque les apôtres sont venus. Now look at when the apostle came. Là, dans Actes des apôtres. In Acts. Dans Actes des apôtres, chapitre 2. Chapter 2. Le verset 38. Verse 38. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. We read the name of the Lord Jesus Christ. Pierre leur dit. And Peter tells them. Repentez-vous. Repent. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Pour le pardon de vos péchés. For the remission of sins. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Lorsque les apôtres ont enseigné concernant les baptêmes, when the apostles were teaching about baptism, ils n'ont pas dit comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 20. They didn't speak as Jesus said. They didn't say as Jesus said in John and Matthew 28. Les apôtres ont enseigné les baptêmes non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. The apostles did not say baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Mais les apôtres ont enseigné les baptêmes au nom de Jésus-Christ. The apostles say baptize in the name of Jesus. Alors la question qui a été posée, now the question was asked. N'est-ce pas que le maître est plus grand que ses disciples? Isn't it the master greater than his disciples? Il serait mieux de suivre Jésus. Should I follow Jesus Christ? Yes. Au lieu de suivre les apôtres. Instead of listening to the apostles. Alors nous aussi on se pose une question.
Even now we are asking ourselves a question. Est-ce que réellement il y a une contradiction entre Jésus et les apôtres? Is there really a contradiction between apostles and Jesus? Alors que les apôtres travaillaient sous mandat de Jésus. Yet the apostles they were working under the command of Jesus Christ. Et à la lumière des Écritures. And in the light of the scripture, nous allons comprendre qu'il n'y a pas de contradiction. We are going to understand there is not any contradiction there. Okay, regardons d'abord pour répondre à cette question. We are going to let us look at this as you answer this question. Nous prenons une écriture parce que nous allons répondre par les écritures. Because we are going to answer but with the scripture. Prenons Jean chapitre 16. Get John chapter 16. Le verset 25. Verse 25. Jean chapitre 16, le verset 25. John, c'est Jésus qui parle. John chapter 16, 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. These things I have spoken to you in figurative language. Là, c'est Jésus qui parle. Yes, it's Jesus Christ saying. Je vous ai dit ces choses en parabole. I have spoken to you in figurative language. L'heure vient. Time is coming. Où je ne vous parlerai plus en parabole. When I will no longer speak to you in figurative language. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. But I will tell you plainly about the Father. Ah, par là nous comprenons. From there we understand that. Selon cette écriture, according to this scripture, même lorsque Jésus parlait Père, c'était une parabole. When Jesus was telling Father, he was in a parable. Mais l'heure vient. But time has come. Où je ne vous parlerai plus en parabole au sujet du Père. I will no longer speak to you in parable about the Father. Alors on se pose une autre question. Then we ask ourselves a question. Quelle est cette ère-là dont faisait mention Jésus? What is that time in which Jesus Christ was speaking of? Où il ne parlera plus du Père en parabole. When you will no longer speak about the Father in parable. Ou en d'autres termes, où il ne parlera plus en parabole. In other language, when you no longer speak in parable. Regardons, nous vous disons ceci. We are saying this. Vous savez, Jésus qui parlait en parabole. You know, when Jesus was speaking in parable, c'est comme Moïse dans Exode chapitre 4. It was like Moses in Exodus chapter 4. Dans Exode chapitre 4, Moïse bégayait. In Exodus chapter 4, Moses was stammering. Il ne parlait pas clairement. He was not eloquent. He was not speaking fluently. On ne pouvait pas le comprendre. No one could have understood him. Maintenant, pour comprendre Moïse, qu'est-ce que Dieu fera? For people to understand Moses, what did God do? Il faut qu'il lui donne la bouche. He has to give him a mouth. La bouche qu'il devait lui donner, c'était Aaron. The mouthpiece which was to give to Moses was Aaron. C'est-à-dire, lorsque Moïse parle, le peuple ne comprend pas. So when Moses was speaking, people could not understand. Parce que Moïse bégayait. Because Moses was stammering. C'est ça, Jésus qui parle en parabole. That is Jesus Christ is speaking in a parable. Et lorsqu'il parle en parabole, on ne va pas le comprendre. And when he speaks in a parable, people could not understand him. Mais lorsqu'on lui donnera la bouche, but when that mouthpiece shall be given, lorsqu'on donnera Aaron, when they will bring Aaron to him, en réalité, c'est cette bouche qui expliquera mieux le langage de Moïse. The truth is that it is that mouthpiece which shall explain properly the language of Moses. C'est-à-dire, même lorsque Jésus disait. So when Jesus Christ was saying, allez baptiser au nom du Père, du Fils, go and baptize in the name of the Father, the Son, et du Saint-Esprit, and of the Holy Spirit, c'était le bégayement de Moïse. It was just the stammering of Moses. C'était Moïse qui bégayait. It was still Moses stammering. Mais il faut qu'on lui donne une bouche. Now they have to give him a mouthpiece. C'est cette bouche qui va mieux expliquer. That is the mouth which we are going to explain.
Quelle est cette bouche là? What is that mouth speak? Prenons Luc chapitre 21 de verset 15. Luke 21 verse 13. Je tends déjà vers la fin pour cette question. I'm already going. Même si il y a quelque chose que nous n'allons pas toucher, demain on sera là par la grâce. There are things which you are not going to touch, but tomorrow we shall be together. Aujourd'hui, il y avait la pluie, on a commencé en retard. Today there was rain, we started very late. Espérons que demain Dieu va nous donner un beau climat. We are hoping that tomorrow God will give us a good weather. Luc chapitre 21, le verset 15. 21 from verse 15. C'est toujours Jésus qui parle. Verset 15. Verse 15. C'est toujours Jésus qui parle. That is still Jesus Christ who is speaking. Car je vous donnerai une bouche. For I will give you a mouth. C'est-à-dire, c'est Jésus qui parle à ses disciples qui sont devenus les apôtres. Jesus is the one speaking to his disciples who became the apostles. Jésus dit aux apôtres et à ses disciples. Jesus is telling the apostles and disciples. Que je vous donnerai une bouche. I will give you a mouth. Jésus a donné la bouche à qui? Jesus has given the mouth to whom? Jésus a donné la bouche aux apôtres. Jesus has given the mouth to the apostles. C'est-à-dire, Jésus comme Moïse. And Jesus as Moses. Sa bouche. His mouth. Son Aaron. His Aaron. Ce sont les apôtres. And the apostles. Là où Moïse est en train de bégayer. Where Moses is stammering. Là où Jésus parle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est-à-dire aujourd'hui nous comprenons le langage de Jésus par les apôtres. Today we understand the language of the Lord Jesus Christ through the apostles. Pourquoi? Parce que les apôtres c'est la bouche de Jésus. Why? Because the apostles they are the mouth of Jesus. Comme Aaron, Moïse à qui on a donné Aaron pour bien expliquer Moïse. As Aaron was given to Moses to explain him clearly. Et nous avons dit que le nom c'est au singulier. And we say that the name was in singular. Quel est ce nom là? What is that name? Le nom du Père, the name of the Father. Le nom du Fils, the name of the Son. Et le nom du Saint-Esprit, the name of the Holy Spirit. Regardons les Écritures. Let us consult the Scripture. Nous sommes dans Jean chapitre 14. We are in John chapter 14. Prenons le verset 16 jusqu'au verset 17. We are getting from verse 16 to verse 17. L'Écriture dit ceci. The Scripture says this. Et moi je prierai le Père. And I will pray the Father. Et il vous donnera un autre consolateur. And he will give you another helper. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. May abide with you forever. L'Esprit de vérité, surtout le verset 17. The verse 19. The Spirit of truth. L'Esprit de the vérité. Spirit of truth. Que le monde ne peut recevoir. Whom the world cannot receive. Parce qu'il ne le voit point. Because it may the sin. Et ne le connaît point. Nor knows him. Mais vous. But you. Vous le connaissez, you know him. C'est-à-dire, vous, mes disciples, when vous connaissez cet esprit. Disciple, you know that spirit. Car il demeure avec vous. For he dwells with you. Mais qui est cet esprit-là qui demeurait avec who vous? Who was that spirit which was dwelling with them? Et aussi connaissaient cet esprit. And even if they knew that spirit. Cet esprit-là dont Jésus fait mention ici. Spirit which Jesus mentioned here. Il parlait de lui-même. He was speaking of himself. Pour dire tout simplement. Jesus is the Spirit. Jesus is the Spirit. He is a precon, but which has taken body. Pour demeurer avec les hommes. To dwell with men. L'esprit dont Jésus faisait mention. The Spirit
mentioned in here. Regardons, si vous prenez, listen, if you take Jean chapitre 4, le verset John 4, chapter 4, verse 24. Dans cette écriture, c'est écrit clairement. In that scripture, it is stated clearly. Dieu est esprit. God is a spirit. Dieu est esprit. God is a spirit. C'est-à-dire l'esprit dont Jésus parlait ici. The spirit which God, Jesus was speaking of. Qui était avec les disciples. Which was with them, the disciples. Et dont les disciples connaissaient. And which the disciples so knew. Cet esprit-là, c'est Dieu qui est esprit. That spirit is God who is a spirit. It was himself, Jesus Christ. Il était avec eux. He was with them. Il était esprit. He was a spirit. Dieu est esprit. God is a spirit. Dieu qui avait pris. But God who took a body. Et il a demeuré avec eux. And he dwelt with them. L'écriture continue. The scripture continues. Il sera en vous. Saying that, and he will be in you. Aujourd'hui, il est avec vous. Today he is with you. Parce que Jésus marchait avec eux. Jesus was walking with them. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus Christ. Pour dire tout simplement Jésus-Christ. To telling you that Jesus Christ. Il est le Père. Is a Father. Parce que le Père c'est l'Esprit. Because the Father is a Spirit. C'est Dieu. Is God. Et qui a pris corps. By toute la beauté. Et qui devait venir et aimer. Was to come and dwell in the body of people. Yeah. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors Jésus Christ. Alors, ce nom-là du Père. That name of the Father. Regardons, le Père d'ailleurs ce n'est pas un nom. Father, first of all, is not a name. Je viens ici dans notre église. I have come here. If I come here in the church, je demande aux frères. Je suis en train de chercher un père comme I ça. Said that just, brother, I'm looking for a father. Le père vont me, les frères vont me poser la question. The father shall ask me the question. Ils me diront, mais quel est le nom de ce père? What is the name of that father? Pour lui, le père, ce n'est pas un nom. Tell me that the father is not a name. Le père, c'est une admission. The father is just an attribute. Chercher un fils. I'm looking for a son. Mais on va me poser la question. Quel est le nom de ce fils? What is the name of that son? Pour dire le fils même ce n'est pas un nom. Even the son is not a name. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ. Nous venons de comprendre par Jean chapitre 14, le verset 17. John 14, 17. Que Jésus lui-même, il est Dieu. Jesus Christ himself is the Father. Il a pris corps. Il est aussi l'Esprit parce qu'il devait devenir aussi la Spirit. Because you have to dwell in the maintenant, le nom de ce père-là, the name of that father, de ce fils-là, of that son, et de cet esprit-là, and of that spirit. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Prenons Jean chapitre 17. John, je pense que c'est là où je vais terminer concernant cette question. Jean chapitre 17. John chapter 17. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné des milliers du monde. John chapter 17, verse. Je fais, le verset 6. Verse 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné des milliers du monde. I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. C'est-à-dire, ici, la mission de Jésus, c'était encore de faire connaître le nom de Dieu aux hommes. It means the mission of Jesus Christ, it was again to make known the name of God to people. Maintenant, je vous pose la question. Now, I'm asking you a question. Quel est le nom que Jésus a révélé? What is the name of the Father which Jesus has given? C'est le nom du Père que Jésus a. Le seul nom que Jésus a donné. The only name of the Father which Jesus has given to his disciples. What is that name? Quel est ce nom que Jésus a donné? What is that name? C'était quel nom? Mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Parce que si vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 4, if you get Acts of the Apostles, number 4, verset 12, verse 12, il y a un seul nom qui nous a été donné sous ses sommets. Only one name he has been given unto us. And le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. The only name which has been given unto us is the name of Jesus Christ. Le nom de Jésus, the name of Jesus Christ, révélé à ses disciples, which he revealed to be his disciples. Selon Jean 17, le verset 6.
C'est ça le nom du Père. That is the name of the Father. C'est ça le nom de Dieu. That is the name of God. Si on vous demande quel est le nom de Dieu, if they ask what is the name of God, c'est le nom du Père que Jésus a donné à ses disciples. The only name of God, of the Father, which Jesus gave the disciples, is Jesus. Et les apôtres ont compris cette chose. And the disciples have understood that thing. Raison pour laquelle lorsque les apôtres baptisaient, the reason why when the apostles were baptizing, ils se sont dit, mais le Père, ce n'est pas un nom. They said the Father is not a name. Le Fils, ce n'est pas un nom. The Son is not a name. Même l'Esprit, ce n'est pas un nom. Even the Spirit is not a name. Le nom au singulier. The only name in singular. Du Père. Of the Father. Qui a pris corps dans la personne du Fils. Which has taken body in the name of Jesus. Et qui les a invités en nous comme c'est l'Esprit. Which has been dwelling us as our Holy Spirit. Such name is Jesus. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Et alors, merci. Raison pour laquelle il est baptisé au nom de Jésus. Baptized in the name of Jesus. C'est ça le seul nom. That is the only name. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Le baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptism is not in the name of Jesus. Parce que le Père, ce n'est pas un nom. Because the Father is not a name. Le Fils et l'Esprit, ce n'est pas un nom. Le baptême, c'est au nom de Jésus Christ. Baptism is in the name of Jesus. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Si vous avez été baptisé au nom du Père, du Saint-Esprit, vous n'êtes pas baptisé in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. That was not the true baptism. On vous a tout simplement lavé. They just washed you, bathed you. Tu n'es pas encore baptisé. You are not yet baptized. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? Hein? Et nous disons ceci, le baptême c'est la porte du royaume des cieux. Baptism is the gate, the door to the kingdom of God. Jean-Baptiste parlait, prêchait sur le royaume des cieux. John the Baptist was preaching about the kingdom. Mais pour entrer dans ce royaume, les gens venaient se baptiser. To enter that kingdom, people they had to come to be together. Le seul moyen pour entrer dans les cieux, dans les royaumes, c'est par le baptême. The only way to start getting into the kingdom is through baptism. Dieu habite près des eaux, il faut d'abord traverser les eaux. Yesterday, avant de voir Dieu, we told you that God lives beyond the river. So you should first of all cross the river. Et traverser les eaux, c'est ça être baptisé. And crossing the river, that is being baptized. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Je réponds à une autre question, je vais me limiter là. I answer another question, I'm going to stop there because of time. La question sur les voiles, on peut l'aborder même demain. The question concerning the head covering, we shall touch it even tomorrow. On peut l'aborder demain. Donc, il y a une sous-question. Oui, c'est là, je reviens. That's where I'm coming. Il y a une question. Ok, parce que le soir, nous serons encore ici. Because evening, we shall be again. Et nous devons gérer le temps. And we have to manage our time. Ok, il y avait une sous-question. There was another question. C'était les piscines, je pense. Well, yeah, it was about a pool. Being baptized in the pool or just in the water. Il y a des gens qui baptisent au nom de Jésus. There are people who are baptized in the name of Jesus, but in the pool. Et le frère a posé la question. The brother asked the question. C'est confus, mais aussi aux Écritures. Is it really according to the Scripture? Bon, à la lumière des Écritures, in the light of the Scripture, je peux prendre quelques Écritures. I can get some Scriptures here. Prenons Jean chapitre. Let us get John chapter. Chapitre quoi? John chapter 3. Même vous pouvez ajouter aussi Matthieu chapitre 3, les versets 16 à 17. You can even get Matthew chapter 3, 16 and 17 also, but you are reading John chapter 3. Jean-Baptiste baptisé dans le Jourdain. John Baptist was baptized in Jordan. C'est-à-dire que ce sont des cours d'eau naturels. These were the river flowing. Même si vous prenez Jean chapitre 3, le verset John chapter 22 jusqu'au verset 23, John chapter 3, verse 22-23, là aussi le baptême s'est fait dans les cours d'eau naturels. Baptism also was done into the river. C'est par là que nous disons. This is why we say that l'homme ne peut pas se fabriquer lui-même. Man cannot make his own water. Quelque chose pour baptiser.
You make your own water to perform the baptism. Parce que dans les écritures, because in the scripture, on baptisait dans les cours d'eau. They were baptizing the water which was made already by God, that they were going to the rivers. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. On se limite là. We stop there. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Doctor, thank you so, so much. You know, it was very, very brief. And it has, I think it was also good. You want the church to tell you that baptism, you don't need, I'm completing him on that. Baptism in the pool. Just to vous dire que le baptême dans une piscine, you know, baptism is related to salvation. Le baptême, si on la lit avec... No, it is related to salvation. Lié au salut. Then you should not, salvation, you should not...